Salut à tous les amis, c'est Alex Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du tutoriel cinématique des Minecraft. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais vous apprendre à faire un beacon, comme cela. Donc super sympa. Alors par contre, le beacon évidemment, je vais pas vous apprendre à faire le sol puisque c'est une texture que je garde personnelle. Hein, c'est désolé, ne prenez pas pour vous, c'est juste que voilà, j'en ai chié pour réussir à la faire, donc je la garde. Alors, donc oui, alors par contre, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui, au cas où, pour les personnes qui me le demandent et me le redemandent, rien de ce qui est dans ce tutoriel ne sera mis à télécharger. Rien du tout. Voilà. Comme ça c'est dit, c'est pas la peine de venir me demander en commentaire. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc si ce n'est... il n'y a pas moyen de... Ok, écoutez, je vais effacer tout ça et on va recommencer à zéro tout de suite. Alors, on va juste enlever ça parce que voilà. Qui est connecté, j'ai pas vu. Alors, j'ai cru que c'était Falco, dommage. Ok, donc on va pouvoir y aller. Maintenant que tout est prêt, on va y aller. Donc, pour ce tuto, on ne va avoir besoin que de 3 objets et 3 matériaux. Alors, je vais pas vous montrer où trouver ces matériaux parce que je pense que je me suis assez attardé dessus sur les autres épisodes. Donc je vais juste vous faire une petite parenthèse à l'oral. Il y aura juste la texture du beacon qui sera peut-être un peu compliquée à trouver. Vous la trouverez dans l'archive minecraft.jar, dossier texture, dossier bloc. Il s'appelle beacon.png. Voilà. Donc on crée 3 textures. Alors la première, on va mettre... Donc rappelez-vous, pour un beacon, on va avoir besoin... C'est parfait, les screenshots sont là. On va avoir donc besoin, vous voyez, c'est un petit peu comme ça, le beacon. Donc on a du verre, de l'obsidienne et la texture bleue du beacon qui est ici. Voilà. Donc, alors ce coup-ci, j'ai vu qu'étant donné que j'ai tout fait à l'avance, ça va être plus facile et on va moins galérer. Donc, alors là, on va faire la première texture, on va mettre du verre, excusez-moi. Donc on va dans texture, charge une image, et là on va sélectionner le verre. Ici, voilà, oui. Sans échantillonnage, on décoche la spécularité, ou on peut la laisser si vous voulez. Alors on va peut-être la laisser pour faire une belle texture de verre. Ensuite on fait alpha, image, bitmap, glass face. Et là on décoche. Voilà. Donc on peut laisser la spécularité si vous voulez. Mais je vous conseille quand même de la mettre assez fine ici. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc voilà, on a fait ça. Ensuite, on va prendre la texture de l'obsidienne. Donc dans couleur, on va charger une image. Alors l'obsidienne ici. Donc pareil, toujours, je vous conseille de redimensionner vos textures. Hein, les laisser pas en 16 par 16. Moi, personnellement, je les mets en 200 par 200. Ça marche très bien. Après, vous pouvez les mettre en taille que vous voulez. Hein. Moi, je m'en fous. Donc je vais cocher le relief parce que j'aime bien. Là, ici, on met la même image. Obsidienne. Sans échantillonnage du tout, voilà. On le laisse à 20% parce qu'il n'y a pas de raison. Et sur le dernier des matériaux, on va chercher hop, la texture du beacon ici. Oui, sans échantillonnage. Et là, par contre, on va faire quelques petits paramètres parce que sachez-le, hein, que vous n'aurez pas remarqué, le beacon fait de la lumière sur Minecraft. Donc on va essayer de lui donner une petite luminescence avec quelques petits effets sympas qui le rendront assez classe pour arriver justement... Bon bah là j'ai plus mon fond d'écran, mais une petite lumière bleutée qui fait super bien. Donc d'abord on va commencer par cocher dans la régulation de petit modèle, voilà. Donc on va dans luminescence et que je regarde les paramètres. Alors on va le mettre ici dans texture, on va charger la même image, donc beacon, sans échantillonnage. Là ici on va mettre à 44% pour pas que ça fasse trop de lumière non plus. Et là, on va venir mettre la lumière, enfin la couleur ici, à 29.771. Dans le L, on met du 100%, donc c'est bon. Dans le R, 179. Dans le V, 255. Et dans le B, 249. Voilà. Ce qui nous donne une couleur bleutée à peu près semblable. Voilà. Donc là c'est bon, ensuite
Donc le relief, pour le relief, moi je vous conseille de faire pareil, hein. Mais après c'est vous qui voyez si vous voulez pas en mettre. Moi personnellement je vais pas en mettre, mais si vous voulez en mettre un, je peux vous laisser le mettre. Donc la spécularité, on touche pas. Et la lueur, là on va avoir un petit peu de travail. Donc pour la lueur ici, on décoche ça. Là ici dans intensité, on va la mettre à 85. Dans l'intensité interne et externe, on laisse, on touche pas. Ici, on laisse 10, 0, 1, c'est parfait. On a juste à changer la couleur. Couleur qu'on va mettre à 23, ici, 0.664, 194, ici, et 255 sur les deux autres. Ici. Voilà. Hop. Donc là, on a fini pour la texture. Ok. Maintenant, on va passer à la modélisation et à l'application des textures. Donc on va commencer par faire un cube simple. Donc qu'on va remplir de verre. Alors, on va revenir sur un petit détail après que j'ai remarqué. C'est que, vous voyez, sur Minecraft, en fait, quand on a un bloc de verre, on ne voit pas les faces qui sont entre guillemets cachées. Je sais pas si vous voulez dire, regardez. Là, ici, vous voyez, on voit toutes les faces. Même celles de derrière. Là, vous voyez, regardez, on voit que celles qui sont devant nous. Enfin, on peut voir que les faces qu'on peut voir directement. Les faces même qu'on pourra voir malgré la transparence, on peut pas les voir. Regarde, celle du dessous, on la voit pas, et celle de gauche, là, non, et celle de droite, non plus. Donc, après, c'est soit vous laissez comme ça, soit par la suite, selon votre angle de vue, vous ferez disparaître, enfin, vous rendrez invisible ces faces-là. Pour l'instant, on va laisser comme ça, mais plus tard, on changera un petit peu toutes ces dimensions. Donc, allons-y. On va maintenant faire un deuxième bloc. Donc, là, on a fini déjà la cage. Donc ce deuxième bloc, il faut savoir que ce sera celui d'obsidienne. Donc il va nous faire 3 pixels de hauteur et 12 de haut, enfin et 12 de large. Donc on fait 3 fois 12,5. Puisque rappelez-vous, ce sont mes mesures. Donc ça fait 37,5. Et là, logiquement, j'avais dit que ça en faisait 12. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Toc, ça nous fait 150. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on a juste à le descendre. Et là, je vais vous amuser parce que vous me connaissez, je suis très très perfectionniste. Donc, il va falloir que ça s'assemble parfaitement. Donc, je vais aller en cliquant sur la molette de la souris, je vais aller ici. Et je vais venir l'appliquer ici, à ce niveau-là. Dans les coordonnées, je vais regarder ici, on a du 81. Et je crois que c'est 81,25. Toc. Normalement, c'est parfait. Voilà, c'est bien la mesure que j'avais rentrée. Donc là, c'est bien, c'est parfait. On va faire disparaître ce putain de cube de verre. Donc, je vais juste le renommer. Petit conseil, hein, gardez toujours une certaine cohérence dans vos noms pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc là, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Donc on va commencer par la face du haut et du bas. Donc on y va. Donc là, ce qu'on va régler, ça va être. On clique ici, là, sur la texture ici, le petit carré. Et là, on va arriver sur la page ici, donc avec les quatre principales choses à changer. Donc le décalage, on va le mettre à moins 18. Donc rappelez-vous, de façon à avoir 12 pixels et pas 16. Donc 12 pixels de longueur et 12 pixels de hauteur. Et pas 16. Donc moins 18. Dans le décalage Y, on met moins 9. Et là, dans la longueur X, on va mettre 135. Dans celle-ci, on va mettre 135 aussi. Vous voyez que c'est un carré, ça me paraît logique. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit. Ça fait comme un zoom en fait. Et logiquement, on est bon. Donc ensuite, on va passer à la texture des côtés. Donc pour ça, on va aller sur sélection. Pardon. Voilà. Sélectionner. Il faut qu'on prenne le bloc. Et ici, voilà. Sélectionner. Non, il ne veut pas, tiens, c'est cause des liens. On va déjà le passer en mèche, donc on va autoriser les modifications, autrement dit. Là, c'est marrant, je peux plus accéder à ça. On fait une sélection par face. Et là, alors là, on peut en fait, donc on convertit en mèche, on fait une sélection de face. Et là, on va sélectionner sélection parano. Je crois que c'est ça. Voilà, là, vous voyez, ça nous a sélectionné directement tout le tour, ce qui est plus pratique. Donc on repasse en mode de déplacement, c'est ce que je vous recommande pour ne pas faire de bêtises.
On réapplique notre texture sur les faces qui sont surlignées. Et là, du coup, ça nous a bien créé la sélection et la texture qui s'y applique en même temps. Vous voyez ici, sélection de polygone 1 et la texture qui ne s'applique uniquement à la sélection de polygone 1. Donc c'est bon. Et celle-ci, on va lui appliquer le paramètre. J'ai juste le temps qu'on en est. 10 minutes, déjà ça passe très très vite, excusez-moi. Je vais essayer de me dépêcher. Donc longueur X, 55. Décalage X, moins 313. Décalage Y, moins 35. Et longueur Y, 540. Donc là, forcément, honnêtement, je vous explique pas vraiment tout, tout très très bien. Donc là, vous voyez, hop, ça nous a créé un truc comme ça. Voilà, donc c'est pareil de tous les côtés. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des sélections différentes pour chaque côté et faire un truc différent. Moi, personnellement, je fais pareil parce que généralement, c'est pas comme si on voyait tous les côtés. Généralement, on n'en voit que un, voire deux. Donc voilà. Donc là, vous voyez, notre plaquette d'obsidienne est terminée. Si on remet le verre, voilà, ça, c'est nickel. Et maintenant, il nous reste le truc, enfin, le truc bleu là, du beacon, donc qui fait de la lumière. Donc, on va en faire un dernier bloc. Là, par contre, je vais laisser tout ça apparaître. Hein. Donc, ce dernier bloc, il devra faire, je crois que c'est 12 de large et 10 de, 12 de haut et 10 de large, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais quand même regarder sur la texture. On va compter bêtement les pixels comme des connards. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, ok. 12 de haut. Hop, donc ça fait 10 de large. 125. 125. Et là, logiquement, on en est à. En hauteur, on en est à 12. Voilà. Donc ce qui nous fait X 125, Y 150 et Z 125 aussi. Là vous voyez du coup, il s'est directement emboîté comme on voulait sur l'obsidienne. Voilà. Donc maintenant du coup, on va juste garder l'obsidienne et ce petit truc là. Hein. On va hop, importer ça comme ça. On va commencer ce coup-ci par les faces de côté. Oui, les faces de côté. Donc ce coup-ci, pour la face de côté, on va juste. Décalage X, moins 30. Longueur X, 161. Donc là, vous voyez, en gros, j'ai les valeurs vraiment ici. Je vous explique pas comment on fait. Vous savez qu'il faut étirer de façon à ce que ça, ce soit au milieu. Et qu'on ait le même nombre de pixels de chaque côté. Donc c'est avec ça. On joue avec ça, oui, ici. On joue comme ça et avec ça. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on cherche. Donc, moins 30. Et 161. Dans le Y, on a moins 27 et 146. Voilà. Donc là, on est bon. Comme ça, c'est parfait. On va faire le haut. Donc on resélectionne ça. On passe en mèche. Ici, hop, on clique, on prend la face, on sélectionne le haut. On réapplique notre texture. Ce qui, par conséquent, nous recrée comme en dessous une sélection avec la texture qui se limite à cette sélection. Et là, on va mettre du moins 31 ici. Voilà, donc décalage X et Y, c'est pareil. Et là, pareil, on met la même chose, 161 et 161. Étant donné que c'est un carré, c'est pareil autant pour le X que pour le Y. Voilà. Donc, on est bon, il me semble. Hein, je crois qu'on a tout fait. Donc, on va tout faire réapparaître. Boum, voilà, on a un beacon. C'est bon. Je vais même peut-être faire réapparaître le sol. Voilà, on a un beacon. Il reste juste un tout petit détail à régler. Alors, excusez-moi, il faut juste que je retrouve ma screenshot. Voilà, c'est bon. Juste pour avoir un petit effet de lumière sympa, on va ajouter une lumière, donc qui va directement venir à l'intérieur ici. On met les ombres diffuses, on met la lumière à une très faible distance. On va mettre. Là, honnêtement, vu que j'ai pas noté, on va devoir régler un petit peu aléatoirement. Donc on va la mettre à 35. Ça devrait être pas mal, 35. Ça devrait le faire. Ok. Donc la couleur, on va mettre la même que tout à l'heure. Genre, excusez-moi. En fait, il faut que je note sur mon téléphone les numéros que j'ai pris en note. Donc 75.263 ici.
Ici, dans le S, on met 29.804. Dans le L, on met 100. Ici, c'est 179. Le V, 255. Et le B, 249. Donc, rouge, 179. Vert, 255. Et bleu, 249. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une petite lumière bleue qui s'est faite, qui est présente. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va juste faire, je crois que c'est bon. Alors, je vais vous montrer comment faire pour faire disparaître les faces cachées. Donc, on va juste enlever la lumière. Toc, voilà. Et le sol. Voilà. Donc, imaginons qu'on va prendre une caméra pour bien mettre un exemple. Donc, imaginons que notre caméra est ici. Donc, vous voyez, je nous place un petit peu comme sur Minecraft. Sur notre screen, vous voyez, on est à peu près comme ça aussi. Donc, vous voyez que sur Minecraft, on ne voit pas la face du dessous, ni les deux faces qui sont derrière. Donc là, on va juste. Vous voyez, on va voir notre caméra qui est ici. Donc, pour l'instant, la caméra, c'est juste un exemple. Hein. Je ne vous ai pas encore appris beaucoup à vous en servir, mais je vous apprendrai plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer tous les trucs, toutes les faces, et on va créer des objets qu'on va grouper par la suite. Vous allez comprendre. Donc, je crois que je ne sais plus si c'est déconnexion ou scission. Je crois que c'est scission. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, en fait, on crée différentes faces. Vous voyez, si on masque ici, on aura. D'accord. Tu ne t'es pas supprimé. Hein. Dans ce cas-là, on va reprendre ça et on peut supprimer. Voilà. Et là, vous voyez, si on laisse ouvert, c'est ouvert, et si on ferme, c'est fermé. Voilà, c'est impressionnant. Donc, vous faites ça sur chaque face. Donc, je vous remontre comment vous faites. Vous cliquez sur une face. Vous faites clic droit. Et là, vous faites scission. Ici. Toc. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur supre. Et là, vous voyez. Voilà. Ça vous sépare vos faces. Donc là, on va mettre face côté 1. Et voilà. Alors, on va mettre côté X. Alors, un petit truc que je viens d'inventer à l'instant, ça vient jamais dans ma tête. C'est un petit point de repère si vous voulez nommer vos côtés, vous voyez, parce que vous ne pourrez pas faire côté droit à chaque fois, vous voyez, c'est un bloc, toutes les faces sont les mêmes. Donc ce que je vous conseille, pour que vous puissiez vous retrouver, vous voyez, sur votre bloc, vous avez toujours des repères 3D, à savoir le X, Y et le Z. Donc vous voyez, en fait, sur chaque bloc, il y a un côté qui sera forcément sur le X, sur le repère du X, donc celui-là et celui qui est derrière, là-bas, excusez-moi, un sur le Z et un sur le Y, enfin deux sur le Y, deux sur le Z et deux sur le X. Alors moi ce que je vous conseille, même si vous le tournerez, au moins c'est pour si vous le tournez pas, ici vous voyez vous avez la flèche qui part dans ce sens-là, je vous conseille de mettre X plus pour cette flèche-là, et pour l'autre vous mettrez X moins, après ici ce sera Z moins, et là ce sera Y moins. Voilà. Bon alors là du coup vous serez pas obligé, hein. Vous pourrez juste mettre haut et bas, mais pour le X plus et X moins je trouve que c'est une excellente idée moi personnellement, après vous pourrez mettre X avant, X arrière, c'est vous qui voyez, moi je m'en fous. Hein. Moi, c'est ma petite technique que je vous recommande, qui peut être utile. Donc, je vais faire ça en ellipse et on revient après. Voilà, moi c'est fini. Donc, maintenant, vous voyez, on a un petit peu plus. Vous voyez, niveau aspect, ça change que dalle. Et niveau pratique, c'est pareil. Donc, juste ce qu'on va avoir besoin de faire en conséquence, c'est de créer un neutre. Donc, hop, le neutre, il est là. Donc, en plus, c'est parfait, vous voyez, parce qu'il va être en plein milieu. Donc, on a de la chance. On va mettre beacon. Voilà. Donc ensuite dedans, on va mettre tout ce qu'on a ici. Donc là, comme ça. Toc. On met tout dedans. Alors là, ici, on va mettre. Ça, je vais appeler ça le bulbe. Parce que j'ai rien à foutre. J'ai envie d'appeler ça un bulbe. Donc j'appelle ça un bulbe et je vous emmerde. Et là, ce que je vous conseille, en fait, c'est tout ce qu'on a ici. Les six faces, là, je vous conseille de les grouper dans un sous-objet encore. Hop. On va appeler vert. Comme ça, vous pourrez aussi enlever le verre entier et le déplacer seul. Vous voyez, comme ça. Comme ça, maintenant, si on se met sur l'axe de la caméra, on ouvre notre dossier verre.
Là, on a le bas sur la screenshot, il est enlevé, donc on l'enlève. On a la face, logiquement, on aura le X+, puisque on a la flèche rouge va par ici, le X ici, vous voyez, en bas à gauche. Donc le X+, il disparaît. N'oubliez pas de cocher les deux trucs rouges, hein, sinon il apparaîtra au rendu. Et si on coche juste celui du haut, il réapparaît au rendu. Et inverse, si on coche juste celui du bas, il disparaîtra au rendu, mais apparaîtra ici. Donc moi, je vous conseille de faire les deux, on s'y retrouve mieux. Et on devrait également enlever le Z-, vu que la flèche du Z part par ici. Le Z-, ici. Voilà, et là, vous voyez, voilà, c'est nickel. Donc après, vous pouvez faire apparaître votre lumière, tout ça, et votre sol. Et si on fait un petit rendu, vous allez voir que vous obtiendrez à peu près comme moi. Voilà, sauf que vous aurez une texture de sol différente, voilà. Bon, là, évidemment, il manque tous les petits paramètres. Hein, pour que tout ce qui est de la luminescence, pas l'action, je vous conseille, ici, de rajouter l'illumination globale, pour que, justement, la lueur prenne sur les autres objets. Le petit effet lueur, ici, la médiane, l'occlusion ambiante, et je crois que c'est tout, voilà. Moi, je mets toujours cela, après vous les réglez comme vous voulez, il y a pas mal de paramètres. Tout ce que je vous oblige à faire, c'est à mettre la transparence, sinon ça fera pas mal de choses dégueulasses. Et je vous conseille aussi de mettre un anti-aliasing assez haut. Moi, je le fais souvent, je préfère. Et sur fin rendu, attention... Donc ça risque de prendre un petit peu de temps étant donné que voilà. Hein. Donc je fais une petite ellipse pour le rendu. Et voilà, donc ça c'est bon. Vous voyez, on a un fond d'écran à peu près semblable, sauf que vous n'avez pas les petits trucs derrière qu'il y a sur le mien. Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc sur ce, petit oubli de ma part, j'ai oublié de mettre la lumière dans le beacon, vu qu'elle en fait quand même partie. Hein. Après, vous pourrez gérer avec les paramètres des textures du bulbe et de la lumière. Mais voilà, en gros, c'est tout ce que je comptais vous montrer aujourd'hui. Donc, sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des j'aime et à vous abonner. On se retrouve pour le prochain épisode, je pense que je vous montrerai comment faire une enclume. Et après, on avisera. Je pense qu'on va peut-être passer à un truc plus intéressant, comme les explications des différents... merde. Ah mince, je pensais à la profondeur de rendu, vous savez, profondeur de champ, tout ça par exemple. Parce que c'est pas mal du tout. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser les commentaires, à vous abonner, je parle peut-être très 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 vite. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Allez, salut à tous.